Lui, c'est le conteur Rachid Akbal. Avec son spectacle Baba la France, ce fils d'immigré algérien nous livre le souvenir de son père sur fond de guerre d'Algérie. La mémoire d'une guerre vécue depuis la métropole que le conteur fait ressurgir au-delà du spectacle en organisant des rencontres avec des descendants d'immigrés, comme lors de sa venue à Clermont-Ferrand à l'occasion du festival Conte en Fête. La question qui m'intéresse, c'est vraiment là, est-ce qu'on parle de cet événement-là, est-ce qu'on parle de l'après-guerre, comment on relate ce qui s'est passé, voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de leur poser la question et de dialoguer avec eux autour de ça. Deux rencontres ont ainsi eu lieu à la maison de quartier Croix de Néra. Échanges et récits des souvenirs de l'enfance, de ce que racontaient les parents sur leur pays d'origine et l'arrivée en France. Une manière pour Rachid Akbal de provoquer la parole et de créer du lien autour de la mémoire de l'immigration. Je pense que c'est important de ne pas simplement être dans le spectacle, mais être aussi dans le lien. Et qu'un spectacle, c'est quelque chose qui sert à faire du lien aussi, qui déclenche la parole. Un artiste au cœur de sa société contemporaine et de sa mémoire. Rachid Akbal, conteur et générateur de paroles. Parlons-en.